Dans cette vidéo, tu vas tout savoir sur les mises à jour de l'algorithme de TikTok en 2023. Et tu vas voir qu'il va peut-être falloir changer la durée de ton contenu, le sujet de tes TikTok et d'autres éléments que je vais te partager d'ici la fin de cette vidéo. Et oui, il faut toujours se réinventer et s'adapter à l'évolution des plateformes si on ne veut pas passer aux oubliettes. Mais d'abord, j'ai besoin que t'exploses le bouton pour t'abonner à la chaîne et ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur TikTok et sur comment monétiser tes comptes. Allez, on commence tout de suite. 1. La durée du contenu. La première évolution de l'algorithme que j'ai pu observer pour moi et mes clients, c'est sur la durée des TikTok. On le sait, TikTok veut aller concurrencer YouTube sur les longs formats. Il pousse même les créateurs à poster du contenu de plus d'une minute avec le fond de monétisation bêta. Et donc, j'ai pu me rendre compte que le contenu supérieur à une minute, voire même plus de 3 minutes, peut très bien fonctionner dernièrement. Si évidemment, le watch time est bon. Et c'est logique, car le but de TikTok est de faire rester les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, les créateurs qui postent du contenu long, ça fait rester des spectateurs plus longtemps. Et donc forcément, TikTok veut pousser ce type de contenu. Tu peux même poster maintenant des vidéos jusqu'à 10 minutes et j'ai pu voir des vidéos virales qui s'approchaient de cette durée. Malgré tout, comme je l'ai dit, c'est pas forcément parce que c'est long que ça va marcher. Il faut que les gens regardent ta vidéo le plus longtemps possible. Le watch time est toujours primordial et les 3 premières secondes sont déterminantes. Garde à l'esprit qu'au moins 60 à 70% des spectateurs doivent continuer de regarder ta vidéo après les 3 premières secondes. 2. Le sujet des vidéos. Le sujet de tes vidéos est encore plus important qu'avant. TikTok catégorise le contenu en fonction des intérêts des utilisateurs. Donc le sujet de ta vidéo va déterminer si ce TikTok peut être viral et faire des centaines de milliers de vues ou seulement quelques milliers de vues si le sujet est peu populaire ou trop niche. C'est pour ça qu'en 2023, je déconseille de s'enfermer dans des thématiques trop serrées. En faisant ça, vous risquez d'avoir très peu d'exposition. Et TikTok est basé sur les intérêts. Et nous tous, en tant qu'êtres humains, on en a plusieurs. Je peux être autant intéressé par le business que le fitness, que des recettes de cuisine. Donc proposer et parler de sujets que vous aimez et qui permettent d'élargir votre communauté. Ce qui est surtout important, c'est de fédérer autour de vous plutôt qu'autour d'un simple sujet. Enfin, si vous parlez de thèmes ultra généralistes qui touchent le plus grand nombre de personnes, et si en plus ce sujet peut être clivant et que vous prenez position, vous avez tous les éléments présents pour faire beaucoup de vues. 3. Le délai des vues. Avant, sur TikTok, après quelques minutes, tu savais si ta vidéo allait cartonner. Et ça, c'était avant. Je remarque que sur certaines vidéos, l'algo TikTok prend beaucoup plus de temps pour commencer à pousser ton contenu. Il faut donc rester ultra patient et ne pas supprimer sa vidéo. De toute façon, si vous postez constamment, ça n'a aucune importance de combien de vues vous avez reçues dans les 24 premières heures. L'idée va être de créer une accumulation de vues et de vidéos comme une boule de neige qui devient de plus en plus grosse. 4. L'engagement. L'engagement est encore plus important aujourd'hui. Avec toutes les vidéos postées chaque jour, toute cette nouvelle concurrence, TikTok porte énormément d'attention sur un engagement authentique des utilisateurs et principalement commentaires et les partages. Voici donc la recette pour faire une bonne vidéo TikTok. D'abord, une accroche pour empêcher les gens de continuer à scroller. 2. Une bonne histoire, le storytelling est clé et le restera pour toujours. 3. Un bon rythme pour pas perdre les spectateurs en chemin. Et enfin, le contenu doit générer des émotions pour déclencher une action, un commentaire ou un partage. Avant de poster ton TikTok, demande-toi si tu voyais cette vidéo. Est-ce que tu mettrais un commentaire? Est-ce que tu partagerais ce contenu? Si la réponse est non, alors essaye de retravailler cette vidéo ou de la changer complètement pour arriver à cette conclusion. Voilà, c'est tout pour mes observations sur l'évolution de l'algorithme TikTok en 2023. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre toutes tes questions en commentaire et active la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.